J'étais la semaine passée à Douala, j'ai vu des affiches. Quand j'ai vu ta photo, j'ai dit, hé, la grâce de Dieu. Je dis que parfois, on marche avec quelqu'un pour mépriser la grâce. Pourtant, il a affiché partout à Douala. Amen. Nous avons la grâce d'avoir des hommes de Dieu qui mais qui font des grandes choses. J'ai vu les hommes de Dieu de la Centrafrique, de l'Europe, d'Israël, et j'ai vu le Cameroun. Amen. Je vais te donner ton combat. Je dis que nous sommes représentés. Amen. La famille est représentée. Amen. Amen. Pour dire que parfois, on peut avoir un prophète à la maison, mais on l'ignore. Amen. Et j'ai constaté ça. J'ai constaté que la plupart du temps, à cause de notre manière de nous comporter, parfois Dieu enlève même ses serviteurs au milieu du peuple. Il les amène toujours à voyager. Amen. Amen. Que ce ne soit pas votre cas. Aussi longtemps que vous serez ouvert à honorer cette grâce, je crois que plusieurs, un jour lorsqu'ils retrouveront le Seigneur Jésus, seront contents qu'ils ont eu le goût du ciel sur la terre. Amen. Amen. Merci encore, mon Dieu. Je remercie tout le collège pastoral. Amen. Les anciens, les diacres, les diaconesses. Que le Seigneur vous compte. Alléluia. Je viens ici avec les salutations de la famille du ministère international des étoiles de Dieu. Amen. Et en ce moment, nous sommes en service. Et c'est ma charmante épouse qui s'occupe de ce service. Elle m'a dit de vous saluer. Amen. Ce soir, je voudrais partager sur le sujet Absalom ou Élisée. C'est un point d'interrogation. Absalom ou Élisée. Nous allons ouvrir nos livres dans Matthieu 4, verset 18 à 19. Je voudrais que tu sois attentif. Parce que ce qui sera dit ce soir va t'aider. Matthieu 4, verset 18 à 19. Si nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. À quoi nous allons faire la lecture. En effet, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheur d'homme. Amen. Amen. Asseyez-vous, marche sur le monde. Amen. Ce soir, nous parlons sur le sujet Absalom ou Élisée. Et s'il est question de suivre, la Bible nous dit que lorsque Jésus les a rencontrés, ils étaient en train de pêcher les poissons. Et Jésus leur a dit, suivez-moi, je vous ferai. Amen. Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'homme. Ça veut dire quoi? Jésus en ce moment est en train d'établir un nouveau concept. Ce concept est appelé le discipulat. Le discipulat est l'âge de la chrétienté. C'est le cœur de la chrétienté. Il n'y a pas de chrétienté à succès sans discipulat. On ne pourra jamais réussir dans ce royaume. Si on n'est pas disciple. Dans Matthieu 28, le verset 19,
Il a dit, ça c'est le testament de Jésus. Amen. Nous allons lire cela. Matthieu 28, le verset 19, il dit, à l'effet de toutes les nations, des disciples, pas de membres. Amen. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez et faites de toutes les nations les disciples et non les membres. Il y a une différence entre être un membre dans l'Église et être un disciple dans l'Église. J'aimerais que tu prennes note de ce que je veux dire. Il y a une différence entre être un membre de l'Église et être un disciple de l'Église. Donc, Jésus, avant de partir de la terre, il lègue à ses apôtres une mission. Faites des disciples des nations. Je ne veux pas des membres. Je veux des disciples. Je ne veux pas des membres. Je veux des disciples. Je ne veux pas des membres. Faites-moi des disciples. Pourquoi? Il y a une différence entre être membre dans l'Église de Dieu et être disciple dans l'Église de Dieu. Donc c'est un point très important. Lorsqu'on parle du discipulat, ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle d'être disciple, ça veut dire quoi? Un disciple a une définition terre à terre. Est un apprenti. Un disciple est un apprenti. On apprend à être des médecins locaux. On apprend à être des mécaniciens locaux. On apprend à être pilotes. On apprend à être tout ce qu'on veut. On apprend à être aussi chrétien. Il faut savoir qu'on apprend à vivre la vie chrétienne. Il dit, suivez-moi et je vous verrai. Amen. Dans ce moyen, pour être fait par Jésus, il faut suivre Jésus. Amen. Pourquoi? Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi, selon Hébreux 12. Donc, il est l'exemple parfait. Donc, pour être un chrétien exemplaire, un chrétien discipliné, tu as besoin d'avoir quelqu'un que tu regardes. Quelqu'un qui est bien exemple. Quelqu'un qui n'a jamais failli. Quelqu'un qui n'a jamais échoué. La Bible déclare, le diable a cherché le péché en lui et ne l'a pas trouvé. L'exemple parfait. C'est le seul maître. C'est le seul. Il dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Je parle de Jésus. Donc, qui est un disciple? Un disciple est un suivant discipliné de Christ. Ça veut dire que quand Christ l'a dit, il a fait, moi aussi, je fais.
Si je vois dans la Bible quelque chose que Christ a fait, moi aussi je fais. Est-ce que Christ a pardonné? Oui. Moi aussi je fais quoi? Je pardonne. Est-ce que Christ disait la vérité? Oui. Moi aussi je fais quoi? Je dis la vérité. Est-ce que Christ guérissait le malade? Moi aussi je guéris le malade. Ça c'est un suivant discipliné. Le disciple est celui qui a choisi de faire la volonté de Dieu et d'être la volonté de Dieu. Il est important de le savoir. Nous vivons dans un système, dans un contexte. Et je le dis encore lorsqu'on intercédait le lundi matin à l'église. Le monde où l'hypocrisie est plus facile à vivre, c'est dans l'église. Parce qu'on a un langage. On a une manière de faire. Puis essaie de couvrir notre vraie nature. Donc, on se retrouve dans une église, rempli de l'esprit de Dieu, mais on est charmé. C'est ce à quoi on appelle les membres. On est dans un milieu où la vie de Dieu est manifeste, mais on vit la vie de Dieu. Écoutez-moi, tout ce qu'on vit dans la fertilité est un choix. Amen. Et il je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Fils, je te conseille de choisir la vie afin de vivre. Tu as un choix à faire. Donc, je suis en train de nous amener quelque part très important. Je parlais tantôt au titre d'Absalom ou Élisée. Samuel 15. Nous avons lu quelques versets. 2 Samuel 15, à partir du verset 1. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes. Qui courait devant lui. Il se levait le bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le bord pour obtenir le jugement, Absalom l'appelait et disait : De quelle ville es-tu ? Lorsqu'il avait répondu : Je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait : Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait, qui t'établira juge dans le pays? Tout homme que aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se procéder devant lui, il lui tendait la main et saisissait et l'embrassait. L'hypocrisie. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de très longtemps, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Par ton serviteur, après un peu, pendant que je demeurais à Geshur, en Syrie, j'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit, va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son
de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités à accompagner Absalom, et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher à la ville de Guillon à Ahitophel, le guéolite, conseiller de David, la conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un va informer David, voici la partie très importante. Et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom, et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Amen. Nous voyons là un cas très très important. Voici le roi David dans une situation vraiment malheureuse. Son propre fils est le nom d'Absalom. Un beau matin, se réveille. Il achète des armes, il recrute des hommes avec lui. Et il se tient où? À l'entrée du palais. Toute personne qui vient après pour chercher justice, qu'est-ce qu'il fait? Il interpelle celui-là. Quelque problème. Cette personne explique toute sa situation. Et lui dit, bon, l'information que je te donne est importante. Personne ne peut t'accorder justice dans la maison de mon père. À partir de ce jour, sache que ce que je te dis, je suis dit, tu n'as plus besoin de rencontrer le roi. Ça, c'est un caractère très très important. J'ai parfois appelé cela l'esprit absolumique. Cet esprit, plusieurs fois, quand une église commence à tomber, le premier constat qu'on doit faire lorsqu'on vient le suivre, on va constater qu'il y a Absalom dans la maison. Absalom est présent. Parce que Absalom est le fils. Absalom, je vais vous donner quelques points d'Absalom. Amen. Voilà quelques points. Le caractère absolu. Premier point. Absalom détourne le cœur du peuple du leader. Amen. Quand vous voyez une personne qui a un message pendant le message ou après le message de l'homme de Dieu, c'est un Absalom. Vous êtes à l'église. On est en train de prêcher un message. À partir de l'hôtel, il y a un individu à côté de toi qui est en train de te dire. Vraiment, ce message qui paraît que pour lui, la seule pour une soirée, c'est son message. Ce genre de message, vraiment, mais le pasteur est sage. Amen. Il est sage. Pourquoi est-ce qu'il parle aux gens comme ça? C'est l'arrogance. On est en train de prêcher. Écoutez,
l'enseignement de Dieu est sur nos terres, afin de parler de la part de Dieu. Il y a un caractère qu'il peut avoir. Ça ne dépend pas de lui. Il est sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Mais il y a un individu à côté de toi. Il n'est pas venu chercher Dieu. Il a venu analyser l'homme de Dieu. C'est un Absalom. Oh, je ne savais pas comment faire le gouverneur dans cette église. On allait parler de moi. Je demandais celui qui avait dit à l'homme de Dieu, c'est l'esprit pour Salomon. Faites attention. Faites attention. Je dis quoi? Absalom est présent. Donc celui qui détourne le cœur des enfants de la maison du leader, c'est un membre, ce n'est pas un disciple. Amen. C'est un membre. Il est là comme ça. Après, il fait le tour des églises. Il est toujours en train de dire, je cherche l'église pour l'esprit de Dieu. L'église qui va venir arriver. C'est un Absalom. Et j'ai constaté une chose. Lorsque quelqu'un, toute sa vie, est parti d'une église à l'autre, ce n'est pas un disciple. C'est un membre. Nous allons comprendre tout à l'heure. Deuxièmement, Absalom refuse toujours les oubliés de son père. Absalom. Il récute toujours les ouvriers. Le père est mis à Ahithophel. Qui a Ahithophel? Ahithophel est le conseiller personnel du roi David, qui est le père d'Absalom. Donc Absalom n'est pas là pour adorer Dieu. Elle a pour préparer son église qui va commencer. Donc il regarde à la colère, qui est la meilleure chance. Il regarde à l'assemblée, qui sont les membres qui financent Absalom. Je vous parle par expérience. Absalom, lorsqu'il vient, il te demande, tu as pris où? Ton numéro de téléphone, c'est quoi? Quel est ta paix? Ce n'est pas pour t'encourager, mais c'est pour te préparer pour son église. Mais tu vas exposer. Amen. Si tu me dis Amen, nous mais... C'est ce que Dieu va faire, il va faire. Amen. Absalom. Il n'est pas, il est avec vous, mais il n'est pas avec vous. C'est un calculateur. En train de chercher des moyens. Donc, tu comptes avec Absalom, tu peux facilement localiser l'esprit qu'il a mis. Il est toujours en train de dire, quand je vais commencer ma part, ça sera puissant. Frère, il y a beaucoup de maisons, va commencer. Quand tu penses que c'est une boutique, c'est une erreur. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des choses, si ça ne passe pas par le principe, tu n'auras pas le produit. Et notre point, troisième point, sur le caractère d'Absalom, c'est quelqu'un qui a des espions. Il commence par la série de maison. Il a fait les préparer. On lui donne un groupe à diriger à l'église. Il met le poison. Il prépare les espions. Quand je n'étais pas là, qu'est-ce qu'on a dit? Absalom.
qu'on a dit. Parce que nous sommes en train de contrôler tout. Tu as chez toi une domestique qui est à l'église. Absalom peut passer par cette domestique. Pour savoir tes mouvements. Absalom. Les espions partout. C'est pas ça. Donc je suis en train de vous préparer. Je sais qu'Absalom n'est pas parmi nous. Vous ne dites pas. Amen. Suis-je en train de dire la vérité? Je prophétise en Absalom n'est pas ici. Amen. Un autre point. Absalom fait fuir son père. Donc lui poursuit. Pourtant, il doit suivre. Donc, imaginez-vous le roi David, le guerrier. Le guerrier. L'histoire nous dit que David est mort, sa main était comme ça. Parce qu'il a tenu le pays pendant toute sa vie. Un guerrier, à cause de son fils, il a fui. Donc, il y a ceux qui, au lieu de prier, que notre Dieu soit vain dans l'œuvre, il prie que cet homme, s'il peut même mourir. Si peut ton père jouer la baisse. C'est une rêve. Hein? Il prie que son pasteur ait des problèmes. Il y a des pareilles personnes. Leur prière, ce sont des choses. Un Seigneur qui voit cet homme, il faut le punir. Il faut le punir. Un homme de Dieu ne doit pas faire comme ça. Si toi tu étais Dieu, je crois que tu devais te tuer toi-même. Parce que tu es d'abord un mauvais caractère. On doit prier pour l'homme de Dieu. Vous ne savez pas les choses des coups que les hommes de Dieu reçoivent à cause de vos âmes. Il y a des attaques. Que lorsque ça va venir de vous, il se tient entre vous. Et celui-là qui va vous attaquer. Vous devez, vous avez le privilège. Amen. Cinquième point. Absalom aime voir son père pleurer. Est-ce que vous savez que dans le verset 30, de 2 Samuel 15, David a pleuré pour la pleure. Il s'est revêtu de la cendre. David a pleuré. Il a vu comment l'humiliation était devenue son compagnon, David, à cause de son fils. Donc il y a des fils valeurs. Qui aiment voir les larmes de leurs parents. Seigneur. Une autre chose qui est attachée à Absalom, c'est la mort précoce. Absalom ne peut pas vivre longtemps. Nous allons arriver là. Voilà pour le cas d'Élisée. Il disait deux rois. Deux. Deux rois, deux. À partir du verset 1. On a dit quelques versets. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Dit, il n'y a pas d'Élisée sans Élie. Amen. Il n'y a pas d'Élisée sans Élie. Impossible.
Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivant. Je te quitterai toi, et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie des taux. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivant. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Et il lui dit, reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie aujourd'hui. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivant. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous leur chemin. Ces quatre hommes, donc les fils des prophètes, arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du jardin. Alors il prit son manteau. Le moulin et en frappa les autres. Ils se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'ils furent passés, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai arrivé, t'arrêtes toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Quand il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu, et les chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et il monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et cria, mon père! Et il le fit pleurer. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'il lui avait laissé tomber. Puis, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'il lui avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu de lui? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, l'ayant vu, dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allaient à sa rencontre et se prosternaient contre terre devant lui. Écoutez, le premier miracle d'Élisée était le dernier miracle d'Élie. C'est un message très puissant. Nous parlons ce soir de cela. Être un disciple de Christ, être un suiveur. Nous avons ici un autre cas pour Dieu. Le cas Élie et Élisée. La Bible déclare que le temps du départ d'Élisée était déjà arrivé. Et en fait, il y avait déjà une prophétie que celui qui devait prendre la relève devait être Élisée. Mais voyez-vous, Élie avait constaté quelque chose. Lorsqu'il voyait ce jeune homme appelé Élisée, lorsque la paix est venue,
présence de Dieu. Il était un arbre. Il avait besoin d'une formation. Alors, Élie devait amener à une école publique sans sa volonté. Il commence au point de ne pas le faire. Après, il dit à Élisée, reste ici. Je suis en train d'aller à Bethel. Élisée regarde son maître et lui dit, aussi longtemps que tu es vivant et ton âme est vivant, je ne peux même pas. C'est ton pied, mon pied. Là où tu vas après, je vais après. Élie a regardé ce moment-là et dit, ce n'est que le début du voyage. On va voir. Il dit, bon, maintenant, je suis en train d'aller à Jéricho. Ils étaient déjà à Bethel. Jéricho, il dit, nous allons ensemble. Il dit, non, reste. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu as déjà la paix. Mais si tu as entendu la voix de Dieu, reste là. Il dit, non. Lorsque j'entendais cette voix, on m'a dit que c'est toi qui dois me donner. Je dois te suivre. Mais c'est Dieu qui t'a parlé, non? Pourquoi est-ce que tu le suis? Est-ce que tu as besoin d'un homme? Il dit, aussi longtemps que Dieu là est sur le trône, toi, tu es vivant, moi je vais te suivre. Ils arrivent à Jéricho. L'homme de Dieu, Élie, s'arrête à Jéricho. Il regarde ce moment. Après toutes ces épreuves, les moqueries des fils de prophètes. Tout le monde se moque de lui. Élisée, ton maître sera de toi arrivé. Il dit, taisez-vous, je le sais. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller quelque part. Élisée, dans son esprit, ce qui doit arriver. Peu importe les épreuves, il doit arriver. L'homme de Dieu lui dit, bon, Élisée, je suis en train d'aller au Jourdain. Il dit, je vais te suivre. Et lui lui dit, tu ne peux pas. Il dit, non, je dois aller avec toi. Quand il arrive devant le Jourdain, il sépare le Jourdain, il traverse ensemble. Il y a quelque chose que j'ai remarqué ici. Élie n'était pas un maître facile. Amen. Ce n'était pas un pasteur facile. Ce n'était pas un apôtre facile. Ce n'était pas un prophète facile. C'était un prophète compliqué. Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné une prophétie, une parole? Voici celui qui va te remplacer. Tu me compliques encore les choses. Mais c'était pour le bien de quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un ici. Si tu as sur toi un leader qui passe tout son temps à te donner, à te servir avec toutes tes bêtises, qui ne peut pas te reprendre. Frère, tu as danger. Parce que ce royaume, c'est comme l'armée. Il y a un chef dans ce royaume. Il y a un maître. Et il y a des disciples. Et le disciple doit suivre une certaine discipline. Parce que ce qui vient devant est très grand. Si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas l'avoir. Ce n'est pas donné à tout le monde. La Bible nous dit qu'il traversait les fils de prophètes. Donner à des gens qui connaissaient les livres et savaient que les livres devaient être arrivés, mais s'affichaient parce qu'ils connaissaient les livres comme un maître qui est très difficile. On ne peut pas le suivre. Il est compliqué.
train de prier. Il est toujours en train de nous donner des devoirs. Allez lire votre Bible. Ça, c'est même un jardin. Il est toujours en train de nous mettre en gêne. On n'aime pas ce genre de personne. Il est toujours en train de nous parler contre notre manière, mauvaise manière de vivre. Ça, c'est l'esprit de lui. Écoutez-moi. Pour recevoir l'onction, ce n'est pas l'imposition. Oh, mais Dieu, j'ai constaté une chose. Si on fait un service d'impartation, tu vas voir plusieurs personnes bénies. Mets les têtes. Je veux l'impartation. L'impartation ne se trouve pas dans les positions de main. L'impartation se trouve dans le service. Amen. Et le service n'est que un produit du discipulat. Si tu ne sers pas un homme de Dieu, tu ne peux pas recevoir l'esprit qui porte. Amen. Il est impossible. Dieu n'est pas un Dieu qui plaque. Tu ne peux pas faire la corruption avec Dieu. Tu peux encore corrompre un tas de gens. Mais tu ne peux pas corrompre un pasteur. Amen. Tu ne peux pas corrompre un apôtre. Il y a une notion qui doit descendre de l'honneur pour le droit. Cette onction est destinée à des personnes qui sont prêtes à suivre. Amen. À suivre, suivre, suivre. Peu importe le nom contre mon pasteur, j'ai dit que je vais le suivre. Peu importe ce que j'attends de lui, je dois le suivre. Amen. Ce que je vois est plus grand que ce que j'attends. Aussi longtemps que nous sommes fidèles, il y aura toujours une mission. Quelle accusation on ne va pas faire? Tout ça, la accusation. Écoutez, aussi longtemps qu'il y a des membres dans l'église, ce sont ceux-là qui sont responsables des mauvaises nouvelles. On les appelle les Absalom. Mauvais souvenir. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus. WhatsApp, Instagram, on ne fait plus le transport. Hein? Tu as pas entendu? Macron, tu es au courant? Hein? Et on l'a vu. Écoute-moi, c'est un danger. C'est un très grand danger. Tu détruis ta vie. On ne parle pas des hommes de Dieu comme les hommes de la rue. On ne parle pas des hommes de Dieu comme les hommes ordinaires. Lorsqu'il s'agit d'un sujet concernant l'homme de Dieu, ne me tiens pas pour parler de cela. Parce que je vais te dire, ça va te suivre. La Bible est claire. Ne touchez pas à mon droit. Ne faites pas du mal à mon prophète. Qui a dit ça? C'est Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Alors, Elia, un jour, ils se sont mis à dire à Moïse, mais toi qui penses que tu es dans cette présence de Dieu, tu n'as encore même quoi? Tu avais pas une femme étrangère. Dieu a dit à Moïse, mets-toi de côté, je vais discuter avec ces gens. Mais il y a une alerte. Dieu a préservé Aaron. Vous savez pourquoi? Le sacerdoce. Le jour où Dieu voulait venir à Aaron, il a d'abord déshabillé. Ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Nous pouvons être égaux dans la communion. Mais à ce qui concerne la grâce, il y a une différence. Lorsque tu es devant un individu qui parle d'un homme de Dieu à la légère, laisse celui-là. Il doit être un membre.
les disciples ne parlent pas de leur maître. Et vous êtes disciples de ce ministère. Vous êtes sous cet homme de Dieu. Écoutez-moi, j'ai constaté une chose. Il y a des gens qui sont dans des églises où il y a des miracles, mais n'ont jamais de miracles. Tu ne peux pas mal parler d'un homme de Dieu et tu reçois de sa grâce. Ce n'est pas possible. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a pris de Moïse, il a mis sur 70. Dieu ne peut pas directement, hein? Mais il a pris de son serviteur, il a déposé sur 70. Ça veut dire quoi? À partir de ce moment, vous êtes rédevable à ce monsieur. Amen. Donc, vous devez l'honorer parce que ce que vous avez vient de lui. Dieu sait pourquoi il t'a amené ici. Si tu n'es pas ici par hasard, toi tu ne comprends pas. Alléluia. Si tu entends autre chose, une autre voix, arrête-toi. Ça doit être la voix de l'étranger. Ne permets pas que quelqu'un se tienne ma part du père de cette maison, de la maman de cette maison, des pasteurs de cette maison, des membres de cette maison. La raison pour laquelle plusieurs ne sont pas bénis, plusieurs ne sont pas guéris, plusieurs ne sont pas délivrés, c'est parce qu'ils utilisent leur bouche pour bloquer la vie. Si tu refuses d'honorer l'onction qui est ici, tu vas prendre cette onction, amener ailleurs. Et les gens de l'autre côté vont recevoir cela. Mais je prie pour toi que ce ne soit pas ton cas. Amen. Il faut faire attention. Ne te mélange pas. Bientôt nous venons aussi pour chercher Dieu tous. Mais ne sois pas les groupes qui ne sont pas là pour Dieu. Dans l'église de Jésus, il y avait Judas, une église de 12 membres. Judas était là présent et il était le trésorier. En fait, la manière qu'il conseillait même Jésus, on peut donner un parfait chat à Jésus. Jésus me dit, il dit, non, maître, comment tu peux utiliser ceci? Ça serait utile pour le ministère. On voyait ce gars comme quelqu'un d'éclair, sans savoir que c'était Absalom. Et pour moi ce soir, je suis venu pour te dire que tu peux faire un choix entre être Absalom ou être Élisée. Élisée, c'est un suiveur. Élisée a une vision. Tous les hommes de vision ne sont pas distraits. Et Élisée sait pourquoi il est ici au tabernacle. La raison pour laquelle il vient à l'église. Amen. Il ne vient pas rencontrer les collègues du service. Non. Il ne vient pas ici parce qu'on lui a donné un poste. Non. Il vient parce qu'il a une communion avec Dieu. Amen. Il a une communion avec Dieu. Oh, mon Dieu. Il y a un message que Dieu m'a donné il y a quelques mois. Que Moïse a dirigé. On peut tout chercher. Moïse est le seul homme de Dieu que Dieu a permis de bénéficier du boulot de Dieu céleste. Chaque matin, le Père était chaud. Moïse n'avait pas besoin de t'envoyer. L'eau sortait du rocher. Moïse, il n'avait pas besoin d'aller dans une boucherie. La viande était à la gueule. Moïse a divisé la mer. C'était l'aquarium de ce côté, l'aquarium de cet autre côté. Quand
chaque poisson venait, ça rentrait. Donc les enfants qui venaient marcher dans la famille, ils ont plus ce qu'on appelle miracle. Mais écoutez-moi, quelque chose s'est passé. Moïse a été invité par Dieu pour une fête spirituelle. Moïse était à la montagne pendant qu'il priait. Un jour, les mêmes gens qui voyaient les miracles ont dit à Aaron, nous sommes fatigués, où est-ce que Moïse? Fais-moi un bout d'or. Donne-moi notre Dieu. Crée-nous un animal pour être notre Dieu. Les mêmes gens. Écoutez, lorsqu'on est dans la maison de Dieu, il faut chercher à avoir une communion avec lui. Parce qu'il arrive des moments où Moïse peut être absent. Je n'ai pas absent. Amen. Il y a des gens, quand l'homme de Dieu n'est pas là, il voyage. C'est très clair de l'air. Ce sont les membres dans l'église. Les disciples sont présents. Amen. Ils sont demandés à mon Aaron de leur faire un bout d'or. Les mêmes gens qui ont vu la main de Dieu. Les mêmes gens. S'il vous plaît, ce soir, je suis venu parler à des hommes et des femmes qui doivent être des disciples. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais vous donner quelques points. Quelques points. Pour être disciple. Nous devons savoir que la raison de l'échec d'Absalom, c'était un rapport charnel avec son père. Il connaissait son père charnellement. Il ne le connaissait pas spirituellement. Hein? Nous sommes toujours ensemble. Ne soyez pas. C'est mon père. On mange ensemble. C'est une erreur. La familiarité est un danger. Hein? Un homme de Dieu, comme on l'appelle homme, Dieu, il est homme, il est Dieu. Il peut être avec vous, dormir avec vous, danser avec vous, jouer au sport avec vous. C'est un homme de Dieu. Amen. Et il sait. Voyait Élie comme son père. Son père. Son père. Son père. Son père. Père, ça veut dire, il a autorité sur moi. S'il me dit assieds-toi, je vais m'asseoir. Lève-toi, je vais me lever. Sors, je vais sortir. Je ne pose pas la question. C'est un disciple. Il y a des choses que l'homme de Dieu peut te dire. Ça peut sembler comme des blagues. Ou, ne réfléchis pas. Comme moi, je suis une personne. Je vais courir. Je vois des gens comme ça. Cours d'abord. C'est ton père. Père, veux dire source. Père, veux dire couverture. Père, veux dire inspiration. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Hey. Si tu dois réussir dans la vie, cherche un père. Ah. Et tu as le plus d'image d'avant moi. Amen. Amen, amen. Ceux qui vont commencer, imaginez, quelqu'un a un contrat pour le faire l'axe lourd. Toi, là, on est. Il se décide d'appeler les forêts pour créer sa part. C'est une personne essentielle. Il y a déjà une route. Qu'est-ce que tu fais? Tu avances cette route. Il y a quelqu'un qui a déjà créé la route. N'essaie pas de créer ta part. À partir de cette vision, n'est pas de vision. Cette vision est une inspiration. C'est la même. Donc si tu restes ici en tant que disciple, la double portion sera ton partage. La double portion est de ton fils. C'est de ton fils.
disciple, ce n'est pas de l'homme. Amen. Un autre point très important. Élisée. On reconnaît Élie comme un maître, un enseignant, son instructeur. Il le reconnaît pas seulement comme un père, mais il le reconnaît comme celui qui sait ce qu'il ne sait pas. Ah oui. Donc lorsqu'il vient dans cette maison, viens comme un enfant qui t'apprend. Peu importe les doctrines que tu as eues, il y a toutes sortes de doctrines de l'homme. Ne viens pas avec des doctrines pour essayer d'analyser la doctrine de la maison qui a échoué. Donc, il y a comme un élève, comme une personne sage qui vient apprendre. C'est ça, il existe. Je viens parler, hein, là où j'étais, on nous a dit que on ne perd pas la vie, on perd un peu la vie, et quand même tu perds, on me dit vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Tu ne peux pas comprendre, c'est parce que c'est l'argent. Est-ce que tu peux comprendre? C'est parce que c'est l'argent, tu vas comprendre comment? Hein? Si c'est la prière, compris pour toi, tu vas comprendre. Que quand tu as des problèmes, tu as besoin de plus. Mais si c'est la vie, tu ne comprends pas, si c'est un dixième, tu n'arrives pas à comprendre comment calculer la vie de 100 000. Va chercher Clarisse. Écoutez, le disciple est une personne qui a dit, je suis prêt à tout. Amen. Si aujourd'hui, mon père s'il dit, ton salaire, je ne veux pas réfléchir. Écoutez-moi. Ce royaume est un royaume des personnes qui ont vendu leur vie. Amen. Ils ont déclaré que moi, je suis justement ce qui doit vivre. Pourquoi je dis que je dois mourir? Quand il y avait trop de terre là, ça te rend encore plus pauvre, plus bête. Qui réfléchit trop? Est-ce que Jésus priait à 6 heures? Qui n'a pas réussi? On donne une instruction. À partir de ce jour, frère, habillez-vous bien, portez des vestes, cravates, pour l'image du royaume. Qui sortit de moi, je n'aime pas m'habiller, mais les vestes, je les chier. Tu ne sais pas pourquoi l'homme de Dieu donne cette instruction. Et tu commences à poser des questions. Montrez-moi dans la Bible. Là où on a dit de porter une veste et cravate. Tu n'es pas un disciple. Tu es un salon. Tu cherches là où il y a des problèmes à l'église. Un autre point. Élisée. C'est un homme patient. Un disciple est patient. Amen. Je suis dans la. Qui vient m'a pris pour toi? Si la maladie n'est pas maladie, ce n'est pas la faute du pasteur. Le pasteur, pour lui, c'est de prier. Celui qui doit guérir, c'est Dieu. Et Dieu te connaît mieux que le pasteur. Dieu sait qu'il dit que tu es guéri une fois. Tu vas rentrer dans tes problèmes. Et il faut qu'il te garde. Et la maladie peut être un instrument pour te garder dans sa maison. Il faut être patient. Tu es patient. Pendant que tu es dans la maison de Dieu, tu travailles dans ton cœur. Il travaille. Un jour, tu seras guéri sans le savoir. L'homme de Dieu peut déclarer dans ta vie. Et aucune parole de Samuel est de vos sens. Chaque fois qu'un homme de Dieu déclare. Sur ta vie. Cette parole est établie. Mais si la chose ne se manifeste pas encore physiquement, restez à temps. Ne marche pas par vous. Je ne sais pas.
ou c'est la marche à feu de porte, ou c'est, je ne sais pas, hein, les autres sont guéris, les autres témoignent, mais ma part, ta part reste parce que tu es incrédule. La Bible déclare qu'il te sera fait selon ta foi. La foi là, dont on parle, c'est n'est pas que ce que tu penses, ça va t'arriver là. Non, c'est ce que tu dois attendre. Tu dois attendre. Tu dois attendre. Jusqu'au jour où tu es mort. Tu es déjà un disciple. Prends. Sinon, tu as fait le tour des églises. La patience, c'est important. C'est un signe du discipleur. Un disciple a décidé, je m'assois. Travail sans travail, je suis là. Ce que je cherche, c'est Dieu. Matthieu 6, 30, cherchez premièrement quoi? Et quoi? Et toute autre chose? Ces choses sont là-bas. Pas que Dieu va produire. Le sixième jour, il a fini. Le septième, il s'est reposé. Il a tout fabriqué. Même ta chose là. Donc sois patient. Bien ton voisin, sois patient. Ne fais pas pression. Sois patient. Il y a des gens qui veulent acheter quelque chose. Hein? Dieu te connaît. C'est la corruption, pas faire ça rien. Lorsqu'il s'agit du royaume de Dieu, tu ne traverses pas la cible au moyen de. Tu dois passer par le chemin. Amen. Amen. Un autre point. Les disciples sont des personnes qui vivent longtemps. Pourquoi? Ils sont sous la couverture de la mer. Élisée a vécu longtemps. Le jour qu'Élisée est mort, on l'a appelé. Même ses autres vivaient. Je vais vous donner un passage biblique très important. Malachie 1, verset 6. Malachie chapitre 1, verset 6. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis ton père, où est l'honneur qui m'est dû? Hein? Si l'homme de Dieu est ton père, où est l'honneur qui m'est dû? Hein? Selon ça. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Pas les craintes. Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateur qui méprisez mon nom et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Eh bien, une chose que j'ai aimée de Pierre, lorsqu'on a arrêté Jésus, Pierre a sorti le pays. Pierre a défendu Jésus. Il a coupé l'oreille. Écoutez, je sais utiliser la diplomatie. Devant les gens, tu ne peux pas dire, il fallait le faire. Ça, c'est bien, on garde. Non. Tu ne fais pas ça. Devant ces gens-là, il a dit, pourquoi tu as fait ça? Mais une chose, il a dit, remets les pieds. Remets les pieds, ça veut dire, la prochaine personne qui vient encore, tu le sens encore. Et donc, la parole ne peut pas m'en parler de ton père qui est venu là. Oh, ça dépend, les hommes viennent maintenant. On ne sait jamais. On va se parler, on va chercher Dieu. Qui est là? Qui est là? Où est le nom? Où est le nom?
te bénit. Tant qu'il est ici, oh, donc, ne tient pas béni. Tant qu'il dit la parole, n'est plus pas béni. Oh, la part de cette assemblée, Dieu te bénit. Qui doit défendre la cause du royaume? Qui doit dire à celui qui a fait toi? Qui n'arrive pas à gérer ta vie? Qui parle des choses de Dieu? Et qui vient dire au père de la maison, pour voir si ce qui se passe. Là, ce n'est pas le composant. On appelle ça la loyauté. Amen. Si tu n'es pas loyal, et que tu gardes des choses, et je vais vous dire, la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque tu as entendu une fois, tu n'as pas réagi. Tu entends la seconde fois, la troisième fois. Ça peut devenir une réalité dans ta vie. Et tu vas commencer à voir cet homme qui aurait autrement. C'est pour cela qu'il faut réagir. Il faut exposer tout accident. Ce soir, tout esprit absolu doit me quitter. Doit me laisser. Est-ce qu'on peut se lever? C'est une question. Toi-même, tu peux répondre. C'est bien comme c'est Élisée. Nous avons oublié. Mais celui qui a enfoncé et Absalom dans cette histoire, c'est lui qui fait. Son mauvais conseil, les conseils qu'il a donnés à ce moment, l'ont enfoncé. Nous avons prié. Parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, verset 33, que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. L'amour est obligatoire. Mais l'amitié, c'est par choix. On choisit ses amis, même dans l'église. On n'est pas obligé de marcher avec tout le monde. Amen. Il y a des amis d'offert, des personnes qui donnent des mauvais conseils, qui empoisonnent encore ce cœur empoisonné. Nous allons prier ce soir. Que tout ami d'offert autour de ma vie, Seigneur, qui parte, qui te menace, qui te laisse la vie. Amen. Es-tu prêt à prier? Mon Père, mon Dieu! Mon Père, mon Dieu! Que tout a été offert! Que tout a été offert! Au cœur de ma vie! Au cœur de ma vie! Le ménage au nom de Jésus! Seigneur, donne-moi un caractère de discipline.